On met le beurre. Le beurre, c'est 100 g de beurre. 100 g de beurre. Le sucre a été mis. Oui, là-dedans. Voilà, ça, on met à fondre le beurre. Il a fondu des œufs. Voilà. C'est celle-là. Je mets dedans. Il y a 40 grammes. Non, j'ai mis 12-13. Oui, bah, c'est bien. Ok, le beurre. Merci à moi, c'est pas vrai. Un petit chalot. Oh, mais qui roule pas. Donc, faut le mettre sur le feu après. Ouais. Après, quand il y a le beurre. Il faut prendre le beurre. Il y a tous les morceaux de beurre. Vous en avez combien? Il y en a déjà. Hein. Il y en a déjà. Allez, le chauffeur. Ok, alors on va le mettre là. Allez, un tape dessus. On fout ça. Faut mettre la farine dedans ou là-dedans? La farine dedans. Dedans? Oui. Allez. Toute la farine d'un coup? Voilà. Ça va pas faire des grumeaux? Est-ce que tu remues? Ben, il faut créer un fouet, voilà. C'est et après, sur le fourneau. Et puis vous remuez. Mais vous mettez sur la plaque, hein, pas sur le. Non, voilà, là ça s'appelle faire sécher la pâte. Sécher la pâte. Donc là, il faut que ça soit la sécher, sécher-le, vas-y. Voilà, on la remue un petit peu au froid pour qu'elle refroidisse. Pour pas que quand on mettra l'œuf, que l'œuf est cuise. D'accord. Non. On met que un par main alors. Voilà. C'est deuxième. C'est pas mieux avec un fouet? Non. Non mais non, ça a accroché au fouet. Ça a tout le bordel. Tu vois ce que je veux dire, monsieur Dufort? Alors on peut en mettre que 3 ou 4, je ne sais pas comment elle a séché. Quelle est la consistance? Mais là normalement vous l'avez fait bien sécher, donc on va pouvoir mettre 4 fois. Donc une fois que le premier, on va pouvoir mettre le deuxième. Je me rappelle avec le jour. Je ne vais pas cacher le petit. Que je t'ai bien pris. Excuse-moi. Ouais, c'est bon, t'as raison. 3. Mais attends, 4. Je sais pas, il a dit peut-être 3 ou 4. Attends, 4. Il a dit quand même 4, ok, d'accord. Ça marche, pas de problème. Tu m'as géré. T'aimes bien ou pas? Donc, on peut mettre le quatrième. Allez, on va la sauce, mon rêve. Jamais fatigué. Dans la poche, à douille, et on enfonce la douille. Je vais juste en faire un ou deux. Il a plâti. Hein. Après, tu vois, je coupe. Hein? Ah ouais, c'est parce qu'on va dire. Essayez de faire un cercle un peu plus grand. Je vais faire ça, regarde. Michel. Après, on a un peu. Oui, oui. Il y a deux plastiques. Ça s'appelle. Ah, pareil. Ah, tu veux mettre les deux dedans? Bon, il y a du boulot. Un peu plus rapide. Un peu plus haut, ta douille. Attends. Voilà, un peu plus large.
D'accord. Ouais. Essayez. C'est un peu plus large, faire un peu plus large. Voilà, comme ça c'est mieux. Appuie. Voilà, c'est mieux. D'accord. Et après, là, il faut bien les refaçonner, Alexis. Hein, enlever la petite pointe. Vas-y. Je te remets tout. Vas-y. Là, j'ai du 7 ou 7 à 100. Ça prend hyper bien. Après, je mange arrêté. Ah oui, non, mais. Ça, il en met dans l'eau chaude. C'est bon. Voilà, c'est bon, là, t'es bien. Fais attention de ne pas l'avoir contre toi. Attention, attention. Celle-là. Celle-là encore un peu. Alors, faut garder si tu en. Ouais, c'est bon. Ah, j'ai remis le four. J'ai remis le four à 100 pour qu'il sèche. Ok. Une fois qu'ils ont cuit. Voilà, vous pouvez les débarrasser sur un plat. Merci. Ouais, depuis que j'ai les couteaux coupe, je fais un peu tout. Comme ça, parce qu'avant, c'était pas pratique. Mais là, il y avait un plateau, là. J'ai un peu nerveux. C'est bon. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait. Ah. C'est ça avec le pamplemousse aussi. Ouais. Des bantines aussi. Et ça, c'est un suprême alors. Ouais. Ah, tu vois, j'aurais dû commencer par la droite là. On va se casser les yeux. Celle-là. Ok, merci. Les suprêmes d'orange. Attends. Allez, chef.